Ici radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri Delesquin. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je reçois aujourd'hui avec bonheur et surtout avec intérêt, avec grand intérêt le professeur Jean Constantin pour répondre à la question faut-il légaliser le cannabis le cannabis, qu'on appelait autrefois en bon français, et le chanvre indien. Alors, euh, professeur Delaveau, nous avions fait en février 2010 une émission, professeur Constantin nous avait fait euh, en février 2010, avec euh, le professeur Delaveau, une émission sur le sujet euh, du cannabis et euh, de ses méfaits. Vous êtes le grand spécialiste de la question. Vous aviez écrit en 2006 chez Odile Jacob « Alto cannabis » et vous venez de de récidiver avec un livre chez Même intitulé Pourquoi il ne faut pas dépénaliser l'usage du cannabis Donc c'est 2013 pour ce second livre. Vous avez fait beaucoup d'autres ouvrages, et notamment un livre qui est tout à fait passionnant, également avec le professeur Delavaux, sur café, thé, chocolat, les bienfaits pour le cerveau et pour le corps, et c'était également en 2010 que nous en avions parlé. Alors, professeur Constantin. Euh, je précise aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes euh, une sommité médicale, et je ne euh, cherche pas à vous flatter, c'est une vérité absolue. Euh, vous êtes euh, professeur émérite à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Vous avez dirigé une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS, et vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie. Et vous êtes euh, donc spécialiste, vous avez consacré euh, votre carrière à la neuropsychopharmacologie. Autant dire que vous êtes particulièrement compétent pour nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est douteux sur le cannabis. Alors d'abord, expliquez-nous peut-être, expliquez aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que c'est que la neuropsychopharmacologie. Le terme est un peu complexe. La neuropsychopharmacologie, bonjour monsieur de La neuropsychopharmacologie. La neuropsychopharmacologie. Et cette science qui donc s'intéresse à l'effet des agents psychotropes sur le cerveau. Toutes les molécules naturelles ou de synthèse qui sont capables donc de modifier les grandes fonctions cérébrales. L'éveil, l'attention, l'humeur, les troubles de type délirant, hallucinatoire, que sais-je. C'est cela donc. La neuropsychopharmacologie. Voilà ce que vous écriviez en 2006, euh, professeur Constantin. Constatant depuis une dizaine d'années l'ascension apparemment irrésistible de l'usage et souvent de l'abus du cannabis, je me suis ému de l'indifférence assez générale devant cette invasion. Je me suis irrité de la lenteur des organismes officiels à communiquer sur son ampleur. Je me suis emporté aussi face aux déclarations irresponsables, irresponsables, dites-vous. De personnalités évoluant parfois même dans les allées du pouvoir qui contribuaient de façon éminente à la banalisation de cette drogue. En de telles circonstances, on peut déplorer que ce ne soit, que ne soit au moins appliqué le principe de précaution que l'on continue de laisser s'approcher des lieux de dispensation du savoir, les distributeurs en anglais dealers de cette drogue qu'on tolère que s'élèvent des cours de récréation des fumées qui sont celles du tabac et le cas échéant du cannabis. Qu'en guise de vessie à glace sociale, on ait laissé s'organiser dans certaines cités des trafics de drogue, faisant de ces jeunes distributeurs de drogue impliqués dans ceci des, des handicapés sociaux définitifs qui préféreront l'argent abondant et facile du trafic aux émoluments modestes de travaux parfois intenses et ingrats, avec ce zeste supplémentaire de plaisirs associés à la transgression et au risque. Funeste erreur quand on constate que la pseudo-paix de ces cités consume la société alentour, au point parfois de brûler ces cités. Alors, c'était il y a huit ans. Est-ce que votre vie n'a changé? Pas du tout. Et en fait, on constate que la situation, loin de se calmer, n'a fait que croître et embellir. Elle n'a fait que croître et embellir parce que le déni social ou sociétal reste complet et parce que ceux qui ont été aux manettes, eh bien, ont gravement failli dans les missions qui leur étaient imparties. Il existe une milte mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Vous avez bien entendu lutte. Eh bien, pendant longtemps, en fait, cette mission a surtout lutté contre les détracteurs du cannabis. C'est prodigieux. C'est aberrant. C'est prodigieux. C'est euh, épouvantable. Et voilà pourquoi Terrifiant. nous sommes aujourd'hui avec des chiffres qui sont proprement calamiteux, jugés plutôt on estime qu'il y a actuellement dans notre pays un million trois usagers réguliers de cette drogue qui je vous le rappelle est illicite et parmi ces 1,3 million trois usagers réguliers donc de cannabis eh bien il y en a 600 000 d'entre eux qui n'en sont pas des usagers une fois tous les trois jours, c'est ainsi qu'on définit l'usager régulier, mais des consommateurs d'un joint, voire de plusieurs joints chaque jour. Alors ceci comparé au tabac pourrait rendre, faire imaginer que c'est de peu d'importance. En fait, l'importance naît du fait que le principe actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol, le THC, pour faire court, et c'est l'utilisation. Tétrahydrocannabinol euh, ou THC. Substance chimique. L'expression donc qu'on réutilisera THC. par simplification ultérieurement. Le THC est de toutes les drogues. Je dis bien de toutes les drogues la seule à se stocker très durablement dans l'organisme. Un joint. C'est une semaine dans la tête et plein de joints, c'est pour des semaines et même des mois dans le cerveau et dans le corps. Oui, le tétrahydrocannabinol, au-delà de ses effets aigus qui vont perdurer pendant, disons, 5 à 6 heures, selon l'importance de la prise s'accumule dans le cerveau grâce à une solubilité exceptionnelle dans les graisses, dans les lipides. Or, notre cerveau est très riche en graisses et en lipides et constitue ainsi une véritable éponge pour le THC. Le THC, après s'être stocké, eh bien, va se détacher, se désorber, se libérer progressivement au fil du temps. Et donc maintenir au très long cours une partie des effets qu'il avait eu à l'aller, une partie des effets qui étaient contemporains des concentrations les plus élevées. Donc, ne consommer qu'un joint tous les trois jours, c'est être en permanence, à un certain degré au moins, sous les effets de ce principe actif qui est le tétrahydrocannabinol, qui est ce THC. Eh bien, les effets du tétrahydrocannabinol et plus largement du cannabis, doivent être disséqués en deux strates, en deux étages, l'un que j'appellerai le rez-de-chaussée et l'autre le premier étage. Alors on peut peut-être commencer par évoquer les méfaits physiques. Attendez, je vous arrête tout de suite parce que. Euh, non, 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 je voudrais que nous soyons, pour les auditeurs de Radio-Courtoisie, parfaitement clairs. Si les gens se droguent, c'est qu'ils ont d'abord des effets positifs. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord. Quels sont ces effets diaboliques qui justement font l'attrait de, ce, euh, de cette drogue euh, On se sent bien, je suppose, quand on prend de ce produit. Donc, comme quand on prend de l'alcool. Les, les drogues, toutes les drogues, ont comme commun dénominateur mécanistique d'intensifier, d'accroître. La libération d'un neuromédiateur, une substance de communication. La dopamine. La dopamine. Ah, je savais. La dopamine, c'est l'amine du dire plaisir. Que vous lus, donc. <laughs> la dopamine, c'est l'amine du plaisir. Et il est dans le cerveau humain, mais donc. aussi d'autres espèces d'animaux une structure de très petite taille, mais qui est qualitativement très importante. Il s'agit donc du noyau accumbens. Le gros mot est lâché. Ce noyau accumbens, c'est une petite structure. est-ce que as le mot, c'est à quoi Accumbens. A de c u m b e n s. Noyau accumbens ou accumbens. J'aurais dit accabance. Parle... Enfin bon. Eh bien, ah oui, donc le en latin exact, restitué. Quelle que accumbans. soit la drogue qui soit consommée, elle a pour effet de produire une libération de dopamine dans ce noyau accumbens, ce qui procure à plaisir. celui qui vit cela une sensation de plaisir ne me demandez pas de définir le plaisir chacun a sa définition il y a celle du pharmacologue il y a celle du psychologue il y a celle du philosophe en fait il y a même alors à ce, plaisir, bien à ce stade du plaisir bien individuel à ce stade du plaisir d'abord je voudrais savoir il faudrait peut-être demander aux usagers de ces drogues mais je voudrais savoir si le plaisir est de même nature que pour d'autres drogues, y compris des drogues moins, euh, moins dangereuses, euh, euh, l'alcool, le tabac peut-être, ou le café, le thé, le chocolat, si le chocolat est une drogue. Euh, Est-ce que le, le plaisir a toujours de même nature Le sait-on Les psychologues se sont-ils interrogés là-dessus euh, Et d'autre part, quelle est la durée de ce plaisir Alors, la durée de ce plaisir est exactement celle pendant laquelle... Dure la libération de dopamine ouais, dans ce ça, noyau à, ce à de la palice, euh, Le professeur de la, la Palisse aurait dit la même chose, le professeur Constantin. Et Et... Combien de temps <laughs> Mais pour chaque drogue, la demi-vie de chaque drogue, le temps pendant lequel cette drogue. Et dans l'organisme, eh bien, est éminemment variable. Avec le tabac, par exemple, le consommateur va remettre la main au paquet pour reprendre une nouvelle cigarette tous les trois quarts d'heure ou toutes les heures pour réintroduire de la nicotine de à la hauteur de ce qui vient d'être éliminé. Eh bien, pour le tétrahydrocannabinol, dans la mesure où la drogue perdure dans l'organisme, eh bien, une fois tous les trois jours peut assurer à un certain degré ce plaisir. En fait, la notion de plaisir est tout à fait proche de celle du déplaisir. Le plaisir, en fait, c'est ce que l'on éprouve à un certain moment et que l'on éprouve rétrospectivement lorsque l'on en est privé. C'est le déplaisir, dans une certaine mesure, qui fait... Percevoir, éprouver le plaisir qui l'a précédé. C'est terrible ce que vous dites, je fais une parenthèse métaphysique, cher professeur Constantin, puisque je, je pense, et je pense qu'avec moi les auditeurs de Radio Courtoisie se le disent aussi, que c'est ce que vous dites, un peu conforme à la doctrine bouddhiste qui estime que le plaisir n'est qu'une illusion de l'absence de souffrance. Euh, c est, c est, c est, vous dites que c'est le déplaisir qui fait le plaisir. En fait, c'est l'absence de déplaisir qui est le plaisir. C'est la double négation. Euh, c'est assez terrible. Enfin, bon, passons. Euh, en fait, c est, c est, organiquement, c'est cela. Cette libération de dopamine dans le noyau à Combins, primitivement, a été au service de la faim. De la soif et de la reproduction. Il a fallu pour que les individus se sustentent. Qu'ils aient fin, bien, qu'ils qu soif et, et qu pour qu'ils se reproduisent, qu'ils aient du plaisir à se reproduire. Absolument. Si j'ose dire. Et donc, l'homme en particulier a détourné ce dispositif. Pour faire naître du plaisir, d'autres choses que de ces activités que je qualifierais d'élémentaires, qui est Mais de vital, une part vitale, qui est donc la satisfaction de la faim, la satisfaction de la soif, ou le besoin de se reproduire, d'assurer la pérennité Alors, de l'espèce. Excusez-moi, professeur Constantin. Donc je rappelle aux auditeurs de Radio Contronique que nous parlons euh, de, du cannabis et plus précisément que j'interroge le professeur Jean Constantin sur la question cruciale, aujourd'hui cruciale, plus que jamais faut-il légaliser ou dépédaliser le cannabis qu'on appelle encore euh, le chanvre indien Alors, euh, quand même. Euh, il y a des niveaux dans la drogue. Vous dites bien dans vos, dans vos ouvrages, euh, professeur Constantin, euh, que, euh, indépendamment de ses effets négatifs, euh, euh, le cannabis est une drogue moins puissante que l'héroïne ou, ou que la cocaïne. Euh, et, et donc, ça veut dire que le plaisir est moins intense euh, que celle de ces drogues plus puissantes. Non pas moins puissante, mais dans la mesure où l'effet ne disparaît pas brutalement du fait d'une élimination rapide. Le sujet n'éprouve pas ce grand vide.